YouTube. Bonne partie. Among Us. Bonjour YouTube. Bonne game à tous. Bonne game. Easy. Alors les gens, le pseudo de Madame Play, c'est Mitten. Elle est... Je vais essayer de vous la trouver. Elle est là. Avec les lunettes d'aviateur. Bon, je fais quoi? Je vais surveiller Princesse. Je suis sûr que c'est elle. Ah oui, on a des tâches à faire. Navigation de Willing. Comment on sait ce qu'on a à faire? Ah, il y a d'accord, ok. Alors, désolé, hein, pour ceux qui ne savent pas, je découvre. Donc, il faut que je la trouve. Il faut que j'aille ici. Ça, c'est le report. C'est là? C'est ça. Ok. Le skill, hein. Ça va être... gameplay au niveau. Il faut que je surveille. Alors, le but du jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas Among Us, ça peut arriver. En gros, vous avez plein de joueurs qui sont sur la carte. Ils ont des tâches à faire, comme celle que je suis en train de faire. Et le but, c'est de... Alors, quand on est imposteur, c'est de tuer tout le monde. Et quand on n'est pas imposteur, c'est de... Quand on n'est pas imposteur, c'est de découvrir qui est l'imposteur. Donc, quand on trouve des corps, on peut signaler les corps. Et ben, une fois qu'on a signalé le corps, on va débattre avec les autres en vocal pour essayer d'enquêter et savoir qui est l'assassin. Alors, navigation. T'as jamais joué non plus. C'est très facile. Docteur Spwick, Thomas Langmar. Ok. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai essayé de voir. On vient de croiser Madame Play. Ouais, le but c'est de survivre, c'est ça. J'ai des trucs à faire ici, moi. Mais comment je sais ce que j'ai à faire? Comme sabotage? Faut descendre, désaboter. Attendez, je vais aller surveiller parce que je vois Fridiane qui allait le faire. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez parce que moi, j'ai du paix spirituel. Ah, je peux utiliser ça. Ah, ça permet de voir qui est où. Bonsoir. C'est qui le bleu? Oh. Sachez que je suis choqué. Madame Play tuée. Round 1. Oh non. Inadmissible. Mais elle était derrière moi et t'étais juste derrière. C'est louche. Il y avait quelqu'un juste au-dessus, quelqu'un qui s'enfuyait. Quelqu'un juste au-dessus qui s'enfuyait, c'est précis. Alors ça, c'était moi. J'attends qu'il se dénonce, hein, ça ira plus. C'était moi et je ne m'enfuyais pas. Voilà, je me dénonce, c'était moi et je ne m'enfuyais pas. Julie, t'as déjà voté. J'ai vu le cadavre et j'ai voulu voir si je voyais quelqu'un aux alentours pour démasquer l'imposteur. Et c'est à ce moment-là, Crampagne, que t'es arrivé et que t'as reporté. Où était le cadavre? Ouais, je veux savoir. J'étais pas loin de vous deux non plus. Merci beaucoup, Félix. Je l'ai vu me suivre et tu la suivais derrière. Donc, à part toi, j'ai vu personne d'autre autour de nous. Il était vers l'entrée de... L'entrée de navigation. La salle tout ouais, à droite. Tout à fait. Mais la personne n'est pas allée vers le bas, a priori. À l'instant, je venais de croiser Crampin, donc selon le délai... J'ai vu personne au-dessus, en tout cas. Moi, actuellement, j'étais admin, il y avait Julie qui était avec moi, donc je pense que si le crime a eu lieu récemment, c'est pas Julie. Et j'ai croisé Crampin qui redescendait, je crois, vers communication, de mémoire. Non, c'est moi. Oui, c'est pareil. Ne joue pas sur les mots, Thomas. C'est ce que j'ai voulu dire. Il y en a un petit peu plus malin que l'autre, mais je remontais en fait vers admin et puis je suis redescendu vers radio. Je me suis planté de chemin en venant de Cargo. Tu t'es planté de chemin? Très bizarre. Oui. Bah, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Exactement, moi, ce que dirait un criminel. Il tournait un peu, il revenait. Très longtemps que j'ai pas joué, je sais plus du tout où sont les emplacements. Alors, Julie était immobile, c'est particulièrement louche, sachez-le. Non, je cherchais mon chemin. Ça va être l'excuse, on continue. Là oui. Donc là, je pense qu'il vaut mieux faire passer vote. Ok. Parce que il y a encore assez de monde et on n'a pas vraiment de. Mais gros oui. Suspicions. Salut le bois d'acier, comment ça va?
J'ai ça à faire. Petit fil. Ok. Ah, il n'y a pas de lumière. Où ça se répare, ça? Ça doit se réparer en bas. Je me prépare à reporter. Monsieur Man qui surveille. Salut Nanny McFist, comment ça va? Ah, j'avais un truc à faire par là, je crois. J'aurais tendance à dire que Monsieur Man est safe. Oh non! Alors, Malphite vient de tuer Fridiane sous mes yeux. Et il reporte instant. Non, c'est pas qu'il vient de la tuer. Il vient de la tuer sous mes yeux. Il la reporte instant. Non. Ça, c'est bien un play d'un copain de Crampman. Franchement. Je note merci, quand même. Crampman. Oui, Dany, on joue avec la team du mardi plus des pièces ajoutées. D'un cadavre. J'y peux rien, moi je fais mes quêtes, j'ai fait ma quête défense. J'ai dit que je le notais. Alors, comment dire ça? Moi je viens d'Admin, j'étais avec il y a Dr. Spreak, je crois, à Admin. J'ai vu quelqu'un arriver dans Shield, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est quelqu'un qui se balade ou pas? Je me suis dirigé vers Communication, et puis j'ai croisé Princesse, les mains pleines de sang. Non, j'avais ma quête Shield et j'ai enchaîné avec ma quête avec les fils électriques dans Communication. Et donc, c'est là que je t'ai. Tu descendais d'admin pour aller à radio? Enfin, admin vers Communication, oui. Bah, c'est bizarre parce que j'étais tout en bas à cargo là, pour faire la tâche et j'ai vu passer Fridiane et je ne l'ai pas vu passer. J'ai vu Thomas suivre Fridiane. Je ne serais pas en train de défendre Princesse là. Non, j'étais en bas et j'ai bien vu passer Fridiane, ouais, ça je m'en souviens. Et j'ai vu personne d'autre. C'était après Fridiane, je l'ai vu directement, elle était déjà dans Communication en mode jambon. Oui, mais je t'aurais vu passer. Non, ça dépend où. T'as vu quoi toi, Crampin? Crampin était au. Moi j'étais aux caméras. Ouais, je sais. J'ai vu effectivement Malphis entrer dans admin. Et après je suis ressorti. Crampin, est-ce que tu as dû me voir aller dans navigation, je crois? Rentrer et sortir. Possible. J'ai fait mes quêtes navigation, j'ai enchaîné vers le sud naturellement faire ma quête shield. Et ensuite j'avais une quête communication. Et là c'est Malphis. Il y avait Fridiane et Malphis. Il l'a tué devant moi, il l'a reporté instant quand il m'a vu arriver. Non, je te vote contre toi. Voilà ce qui s'est passé. Ouh. Aïe aïe. La tension est à son comble. Aïe. Ok. Notez que j'ai voté Princesse, mais je reste à côté d'elle. C'est quoi? C'est où? Réacteur, c'est là. Ah non, c'est là. Faut cliquer. Ah, faut. Oh, je le savais. Ah bah non, je peux pas le faire. On va se faire griller tous les autres étés ensemble. Non? J'ai des quêtes à faire? Oui, allez, je vais aller faire mes quêtes, les gens. C'était sûr, mais évidemment. Comment ça marche? Ok. Ça me permet de voir les quêtes parce que je les connais pas. J'ai un truc à faire ici. Please insert card. Ah, voilà. Succès déverrouillé. Mission impossible. Ok. Je viens de mettre en fond le générique de Moi Renard, trouvé dans un canal de Discord de France. Ça va trop bien avec l'ambiance. Merci. Bon, on va finir les quêtes. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, d'accord, ok.
Je crois que j'ai fini. Julie qui survit hein, pour sa première. Je me suis fait assassiner, monsieur Nantuko, par cette vile petite princesse, je le savais. Elle va être là, il va être confondu. Hello. Oui. Oui. Heureux. Moi j'ai rien vu. Bah, moi je connais le réacteur, j'en déduis qu'il était la main du bas. Ouais, alors je l'ai pas fait exprès de le report celui-là. Je pense que j'ai une touche qui. C'est-à-dire je vois que c'est moi qui l'ai report, mais j'ai pas cliqué sur le bouton. Donc je sais pas du tout où il est. Tu sais pas où tu étais quand ça s'est produit? Si, non, réacteur. D'accord. Du coup, je vois pas qui l'a tué. Mais ce n'est pas moi. Je reste dans l'accusation de princesse. J'ai croisé Angmar tout à l'heure. Comme disait Crampan tout à l'heure, ça fait bizarre, ça fait deux fois. C'est louche. Voilà, même. Le bouton du bas, il y a peu de chances en fait qu'il vienne de. Je vois pas pourquoi il l'aurait tué là maintenant tout de suite. Parce qu'il y avait une alerte. Tout à fait, monsieur Nantuko. Cette femme est boursouflée de fourberie. Peut-être qu'il a, un des deux imposteurs a lancé l'alerte réacteur et que monsieur Jackplay a été le premier à rentrer. Ouais, voilà, monsieur Nantuko. En fait, quand on est mort, on coupe le vocal avec les autres pour pas déranger les discussions. Jackplay a été le premier à rentrer, il l'a tué, il a reporté. C'est il y a longtemps. Je pense que tout à l'heure, quand on est passé, il devait être déjà mort. Oh, je sais pas. J'ai traîné un peu aux caméras, mais j'ai rien vu. Ouais, assez. Alors là, on est 6 et il y a 2 imposteurs, Sarlik. Donc il va falloir voter parce que sinon, il suffit que les imposteurs tuent une personne chacun et c'est perdu. Oui, en princesse, puis moi si c'est pas suffisant. Déjà toi. Suspense. Oh non. Elles ont perdu. Oh là là, c'est la merde. Oh, écoutez, ce jeu. Évidemment que c'est une conspiration, tout à fait. On cherche à nuire à la famille Play. On a été exécutés comme des malpropres. You're dead. Finish your task. J'ai fini toutes mes tasks. Hein. Je vais suivre Malfis. Ah, y a Campman qui va report, qui va faire un emergency. Voilà. Nous disions donc. Ouais, bonne idée. Ouais, c'est ça, Dr. Classep. J'avais même pas qu'espoir de terminer ma tâche avant que quelqu'un fasse. Ah, mais c'est quoi ce que vous venez de faire? Alors ça, en fait, c'est le bouton d'urgence. On peut le faire une fois par partie, chacun. Et c'est pour relancer une discussion et un vote. Par exemple, dans ce genre de situation, c'est pratique. Ou si, par exemple, on a vu un meurtre au caméra. Tout à fait, Nanny McFist. De toute façon, ça va se payer. Cadavre, ce genre de chose. Dès que je suis un imposteur, je vais mettre princesse en priorité. C'est une réunion au sommet, quoi. Rentrer dans une vente, bref, quelque chose qui nécessite de déclencher une réunion. Ça se fait dans la cafétéria avec le gros bouton. Voilà, et on peut pas le faire s'il y a une alerte. Ok. Bon, de mon côté, j'ai pas beaucoup plus d'arguments, à part le flag de princesse tout à l'heure. Uh-huh. Un léger doute moyen sur Angmar, elle est level 8, mais après, rien c'est-à-dire de plus, qu'elle a joué. Rien dire d'autre. On est d'accord. Entre vous trois, donc ça tombe bien. Je vois pas pourquoi moi. Thomas qui a réagi depuis tout à l'heure. Non, c'est léger, hein, honnêtement, c'est très léger. Nat. C'est très léger, c'est par dépit en fait. Ouais. Ouais, je pourrais dire que ma fille aurait eu l'occasion de me tuer à un moment donné et qu'il ne s'est rien passé, même si c'est pas un très bon argument. Alors pour le coup, j'avais fini mes tâches, je me suis dit je vais me mettre en combo avec la première personne qui me semble de confiance qui passe par là. Tout à l'heure, juste avant l'alerte en fait. Ouais, tout à fait, quand on est retourné à l'alerte. Moi j'ai croisé Krampman et Thomas plusieurs fois, ils m'ont pas tué non plus. Donc ces deux-là, à mon avis, c'est pas... Évidemment que c'est du mythomane. Ma fille m'avait surveillé pendant que je passais ma tâche admin, Krampman tout à l'heure aussi un moment. Oui. Nat, quand on était admin, on était tous les trois, toi, Julie PZ et moi... t'es sorti le premier, j'aurais pu tuer Julie PZ à ce moment-là parce qu'après t'as vu que t'es revenu. Je t'ai vu rentrer d'enquêter. Confiance. Et je t'ai vu faire un petit retour en arrière, c'est pour ça que là j'allais voter pour ta pomme très chère. Non. On va pas se mentir.
Je vérifie ce qui s'est passé. Après, elle a peut-être pas osé me tuer parce qu'elle sait que je débute. Tu vois, elle a eu pitié, peut-être. Non. Bon, bah vous avez perdu. Ok. Vous, tu ne t'inclus pas dedans ? Il est trop fan. Il est trop fort. Assassin. Malphys, il aurait pas chargé sur Princesse s'il était imposteur, je pense. Donc à mon avis, il est safe. Crampman aussi. Ah, ce serait Thomas, donc. Thomas, Dr. Spiff, j'en ai strictement aucune idée. Moi, j'ai rien vu. C'est pas moi qui ai fini, pas fini ma... Non, j'ai... Ça serait Dr. Squeak. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. C'est vraiment avec beaucoup de facilité. Ah oui, c'est pas grave. Ça serait Julie PZ. Tu paries sur Nat? Alors pour les gens, Nat, hein, c'est Dr. Spook, peut-être. Voilà, il reste une tâche à faire, non? C'est qui finit pas ses tâches? Ouais, puis tout le monde reste taqué, ça va être compliqué, hein. Je suis un peu trop les autres. Dr. Spook, tu trouves? Il a peut-être fini ses tâches, hein, il surveille, non? Moi, j'ai même pas vu. Ah bah c'est Julie. Bon, ça va. C'est pas une grosse perte. Ah. Donc, déjà, on ne s'est pas trompé. C'est bien pas mal, deuxième. Quoi ? Et j'ai trouvé le jambon de Julie dans Admin, tout en bas. Donc je pense qu'elle devait peut-être surveiller la table, ou quelque chose de ce genre-là. Ah, on a vu la veine ? Putain, j'ai même pas vu. Bah, je vous dis, moi je découvre, hein, j'ai pas l'œil. L'imposteur hein. S'est pointé. Du coup, je pense qu'on peut innocenter Malphys. Merci. Parce que je vois mal les deux imposteurs se renvoyer la balle comme ça. Mais logiquement, il a pas pu atteindre Admin, puisque je le jambon Julie. Oui, c'est vrai. J'ai perdu Thomas de vue. Oh bah Julie est morte comme un gros caca, on va pas se mentir. Hein. La voix. Logiquement, pour moi, Crampman était devant, Malphys au milieu, moi derrière, c'est soit Thomas, soit Crampman. Et je me suis fait fermer la porte juste devant le nez, après ce que c'était... J'étais tout en haut quand la porte s'est fermée. Thomas, Electrical, vous étiez enfermés tous les deux et il n'y a pas eu de mort. Ouais, et c'était bizarre ça. J'ai un petit doute sur Crampman. Alors vu que j'avais des gros soupçons sur Princesse depuis le début et que je l'ai pas caché... Ouais mais on te connaît. Je pense pas que ce soit Crampman. Premier round, ouais. Avant, mais avant qu'il y ait d'autres suspicions. Soit il a eu le temps d'aller jusqu'à nuit. C'est que je connais plus les 20 par cœur, il n'y a pas de 20 de storage. Hein. Non, il y en a une dans le couloir qui va vers Admin. Lequel de vous deux? Et toi, Thomas, t'en dis quoi? Bah, moi, j'étais tout en haut, j'étais vers vous, je suis descendu direction cargo, et puis vous t'arrêtez porte. Ouais, moi, je vote pour Angmar, mais par des petits. On va éviter de fixer. Ouais. Thank you.
Bien joué à tous. Félicitations. C'est compliqué, vous étiez parfait. Bravo. Ah, mais Thomas, j'ai mal fait, c'est juste fallu au culot. Non, t'as bien fait. Hein. J'avais que ce choix-là. Il est fou, hein, c'est nouveau. Ouais, ouais. Ah, oui, oui, c'est clair. Oh mon dieu, mais ah, je suis pas morte au premier round. J'étais là, ça a marché, je suis pas morte. Ah, c'est moi. Hein. Deux fois, hein. Deux fois. Ah ouais, deux fois. Mais je m'en suis tellement voulu de pas avoir mis une alerte pour empêcher Crampman de faire le truc d'urgence. Je m'en suis tellement voulu, j'avais oublié. Je suis pas sûr que t'aurais pu, parce qu'en fait, il y en avait une en cours quand il y a eu le report, et je crois que ça met un cooldown dessus. D'accord.